Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Oui, frères, comme notre Père qui est dans les cieux, nous ne devons pas rendre le mal par le mal, car cela reviendrait à pratiquer la loi. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 39. Pourquoi notre Père voudrait-il que nous soyons les méprisés du monde? Comme lui-même a été méprisé sans rendre offense pour offense, de même nous devons agir ainsi face au mal. Le Seigneur m'a appris une grande leçon. Il y avait une personne qui m'avait fait un grand tort dans le passé, et cela n'était point caché de nous deux. Du temps a passé, et le Seigneur me demanda de l'appeler pour la remercier des actes qu'elle avait posés envers moi. J'ai écrasé mon orgueil et je me suis assis dans la poussière de mon moi. J'ai donc obéi à la prescription du Seigneur. C'est seulement le jour où j'écrivais ces quelques lignes que le Seigneur m'a révélé ce qui se passe dans le cœur de cette personne. Celle-ci ressasse sans cesse le bien avec lequel j'ai répondu à sa méchanceté. Le Seigneur m'avait donné le verset suivant pour me faire comprendre l'œuvre qu'il a accomplie dans la vie de cette personne par un simple merci immérité. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 8, verset 11. Oui, frère, faire du bien en échange du mal que tu as reçu transforme au cours du temps le cœur des méchants et les amène aux pieds du Seigneur. Sois heureux de faire du bien en échange du mal. Aussi, n'oublie pas ceci, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 20. Toutefois, il est plus qu'important que tu saches cela. Si tu veux faire du bien et que le Seigneur retient ta main, alors ne fais rien, car lui seul sonde les reins et les cœurs.